item won bi kare mi na wa kuroku ni ngambi do koko mi na tu zane di. Des gagnants, nous en faisons tous les jours, à chaque instant. Notre jeu LNB Chance, le nouveau chouchou des parieurs, fait des heureux 200 000 francs à gagner par jour. Je vous prie donc d'applaudir mesdames Azanriha Muriel et Ingrid, monsieur Abinonkwa Christophe et monsieur Koundé Jourdi. Ils gagnent chacun 200 000 francs. Faites comme eux, composez étoile 501 dièse, suivez les instructions et puis bonne chance à vous. LNB Chance, saisissez votre chance. Après son brillant parcours en Ligue Pro, auréolé de la première place en phase zonale, le club de la Loterie Nationale du Bénin montre d'entrée son ambition. Celle de jouer les premiers rôles dans le championnat national. Le club de Grand Popo démarre sa saison en Super League Pro par une victoire sur Damissa à Parakou 2-0 samedi 25 février dernier. C'est dans un stade municipal de Parakou plein à craquer que le coup d'envoi de la rencontre Damissa Loto Popo a été donné. Très motivés, ce sont les coéquipiers de Nourodin Gakou qui vont se montrer beaucoup plus menaçants avec les accélérations de Zakiou Abdoulaye et Roland Béakou sur les côtés. Sous la température caniculaire de la cité des Kobourou, les visiteurs enregistrent la plus grosse occasion du match en première période. Très bien lancé, Faisal Bachir, seul face au gardien de but de Damissa, n'a pu cadrer son tir. C'est sur un score nul et vieille 0 but partout que l'arbitre va congédier les 22 acteurs au vestiaire. De retour de la pause, la bataille tactique au milieu de terrain a été beaucoup plus rude et intense pour les deux équipes. Mais l'expérience du capitaine Patrick Sediamin va permettre aux visiteurs de prendre la suprématie. Une domination qui est restée stérile malgré les multiples occasions créées. Alors qu'on se dirigeait vers un match nul, Peter Edema, qui a rejoint le club au cours de ce mercato et entré en cours de jeu, va ouvrir le score à la 83e minute. Il venait ainsi de délivrer les supporters de Loto Popo qui ont effectué le voyage pour Parakou. Olatilu Taiwo, d'une aisance technique, va profiter des dernières secondes du temps additionnel pour aggraver la marque et porter le score à 0-2. Les joueurs de Damissa n'ont pas eu le temps de ramener la balle au centre avant le coup de sifflet final. Avec ce résultat, Loto Popo démarre en beauté sa campagne en Super League Pro avec la manière et lance un signal fort pour la course au titre. Loto Popo, un pour tous, tous pour un. Des gagnants, nous en faisons tous les jours, à chaque instant. Notre jeu LNB Chance, le nouveau chouchou des parieurs, fait des heureux 200 000 francs à gagner par jour. Je vous prie donc d'applaudir mesdames Azanriha Muriel et Ingrid, monsieur Abinonkwa Christophe et monsieur Koundé Jourdi. Ils gagnent chacun 200 000 francs. Faites comme eux, composez étoile 501 dièse, suivez les instructions et puis bonne chance à vous. LNB Chance, saisissez votre chance. Des
Des gagnants, nous en faisons tous les jours, à chaque instant. Notre jeu LNB Chance, le nouveau chouchou des parieurs, fait des heureux 200 000 francs à gagner par jour. Je vous prie donc d'applaudir mesdames Azanriha Muriel et Ingrid, monsieur Abinonkwa Christophe et monsieur Koundé Jody. Ils gagnent chacun 200 000 francs. Faites comme eux, composez étoile 501 dièse, suivez les instructions et puis bonne chance à vous. LNB Chance, saisissez votre chance. Et t'es moi, Mikari Minawa, pour le point des gambino coco. Mina Touzan est dit. Des gagnants, nous en faisons tous les jours à chaque. Et t'es moi, Mikari Minawa, pour le point des gambino coco. Mina Touzan est dit. Après son brillant parcours en Ligue Pro, auréolé de la première place en phase zonale, le club de la Loterie Nationale du Bénin montre d'entrée son ambition, celle de jouer les premiers rôles dans le championnat national. Le club de Grand Popo démarre sa saison en Super League Pro par une victoire sur Damissa à Parakou 2-0 samedi 25 février dernier. C'est dans un stade municipal de Parakou plein à craquer que le coup d'envoi de la rencontre Damissa Loto Popo a été donné. Très motivés, ce sont les coéquipiers de Nourodine Gakou qui vont se montrer beaucoup plus menaçants avec les accélérations de Zakiou Abdoulaye
et Roland Béacou sur les côtés. Sous la température caniculaire de la cité des Kobourous, les visiteurs enregistrent la plus grosse occasion du match en première période. Très bien lancé, Faisal Bachir, seul face au gardien de but de Damissa, n'a pu cadrer son tir. C'est sur un score nul et vieil 0 but partout que l'arbitre va congédier les 22 acteurs au vestiaire. De retour de la pause, la bataille tactique au milieu de terrain a été beaucoup plus rude et intense pour les deux équipes. Mais l'expérience du capitaine Patrick Sediamen va permettre aux visiteurs de prendre la suprématie. Une domination qui est restée stérile malgré les multiples occasions créées. Alors qu'on se dirigeait vers un match nul, Peter Edema, qui a rejoint le club au cours de ce mercato et entré en cours de jeu, va ouvrir le score à la 83e minute. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue ici au stade de Grand Popo pour vivre cette affiche de la deuxième journée du championnat national de Super League où l'Auto Popo reçoit dans son antre pour une première fois une entrée triomphale donc souhaitée pour les Lotto Boys qui reçoivent Jacques la Jeunesse Athlétique de Kétou. Jules Tavodno, j'aurai le plaisir de commenter ce match avec vous. Jules, bonsoir. Bonsoir Maurice, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et comme vous l'avez planté le décor, c'est une belle affiche pour le compte de cette deuxième journée de la Super League Pro du Bénin. On a une équipe de l'Auto Popo qui est allée s'imposer lors de la première journée, pendant qu'à domicile, la Jacques a su surprendre une équipe des Requins de l'Atlantique. Comme quoi, il y a de l'adversité en face et il faudra être très très vigilant. L'Auto Popo qui est parti gagner Damissa d'entrée de cette compétition, de ce championnat. Et sans plus tarder, vous avez. On va regarder d'abord le classement. On aura un regard sur le classement après la première journée de ce championnat avec la réalisation dirigée par Modéran. Vous avez là le premier, l'Auto Popo, qui est suivi par AS Takoune. Takoune qui joue cet après-midi contre Coton. Coton qui a été défait justement face à Azou. Exactement, ça annonce à quel point cette Super League Pro sera très très relevée parce qu'après tout, on sait qu'il y aura réellement du challenge en face. Il y a des promus ou des novices qui font leur première apparition et qui n'ont réellement pas l'intention de se laisser faire. Et laisse Takoune, qui a été championne de la Ligue Pro Sud la saison dernière, a confirmé tout simplement que c'est une équipe en progression et sur qui il faudra compter. Donc, Coton FC à domicile a de quoi se faire ce soir. Est-ce que dans le classement de l'Auto Popo, il y a des modifications? Je vois quand même qu'il y a Peter Edema qui démarre. Exactement, Peter Edema qui démarre aujourd'hui en tant que titulaire. Lui qui a fait une entrée fracassante face à Damissa lors de la première journée. Donc, il n'y a qu'un seul remplacement, David Cosmos, qui se retrouve aujourd'hui sur le banc de touche. Sinon, pour le reste, c'est du classique avec dans les buts Nouroudine Gakou, le capitaine Patrick Sediamen. Rodrigue Fassino qui reste toujours dans son couloir droit avec Kader Touré dans le côté sur le côté gauche. Dans l'as, vous avez le duo habituel avec Olympe Gantin et Imran Ibrahim au niveau du milieu terrain. Gaston Rumbedji, l'homme fort de ce milieu terrain, de cette équipe de l'Auto Popo. Sans oublier Roland Béacou au niveau des ailes. Sans oublier Faisal Bachir qui est aujourd'hui encore une fois titulaire. Lui qui avait connu un moment de blessure lors de la saison. Et sans oublier, comme vous l'avez dit, Peter Edema et Ablaye Zakiou. Voilà le 11 entrant du côté de cette équipe de l'Auto Popo. Et les visiteurs, quelle est l'équipe composée par les visiteurs, par Jacques, la Jeunesse Athlétique de Kétou? Et la Jacques, comme on pourrait s'y attendre avec un club qui, au niveau
dans le plateau avec des noms à connotation beaucoup plus nigériane parce qu'on sait qu'Etou et le Nigeria, c'est pas, en tout cas c'est proche de la frontière Bénin-Nigeria avec Hakim Otumba dans les buts, Saïd Oliyide, Emmanuel Oadou Ramigba, voilà, Isaac Eouba, Johnson Temitayo, Onaolapo, Olaïka, Kabirou Saka, Sei Ogutayo, Daniel Semako, Kabirou Oshola, Samson Ademola, voilà. Le 11 entrant de cette équipe de la JAC avec les habitués qu'on connaît, en tout cas qui sont présents dans l'effectif depuis plusieurs saisons et qui sont encore présents dans cet effectif pour le compte de cette rencontre. Je pense surtout à Daniel Semako. Une équipe qui a aussi une profondeur de banc. Ah oui, intéressant, on le sait, avec Johnson Segun, Moussa Djelili, Ramdan Moussa, Sadik Chefiou, Ridwan Chobier et NS Singo, sans oublier Ano Konan Kwadio, une équipe qui est emmenée par Paul Idou, l'entraîneur de cette équipe. Et pour rapidement revenir en arrière avec le 11, les remplaçants du côté de l'Auto Popo, on se retrouve du sur le banc de touche chez Ida Milola, Audrey Ganquier, Faizou Bara, Taïwo Latilou, Mathias Adewale, Moussa Gari et David Cosmos. Et le coach, c'est bien sûr Grégoire Azoïndé. Azoïndé qui est sur le banc cet après-midi. Et le coup d'envoi vient d'être donné pour ce match de la deuxième journée entre l'Auto Popo et Jacques avec ce premier ballon de Faisal Bachi. Qui va jouer avec Rodrigue Facino, mais le ballon est perdu. Zaki Wala, lui, ben, qui perd son duel face à ce numéro 12, Kabirou Oshola. Ah oui, Kabirou Oshola, qu'on a découvert il y a deux saisons du côté de Ketou et qui fait des merveilles au niveau de la JAC. Un joueur très intéressant, rapide, balle au pied, surtout dans les couloirs quand il arrive à passer ses vis-à-vis. Difficile de pouvoir le contrôler. C'est un joueur à suivre de près parce qu'on le sait, il est d'un apport très important dans le dispositif tactique de cette équipe. La récupération de Faisal Bachi, Rodrigue Facinou, qui va chercher un partenaire. Il garde d'abord le contrôle. Il revient sur Imouran. Imouran qui retourne avec son gardien. Olympe maintenant porte le ballon. À ce long ballon envoyé par Imouran. Et Dema sera un peu court sur cette action. Imouran qui est très intéressant sur les longues passes en profondeur. On le sait, on le connaît, lui, étant donné que, autant que Olympe Ganti, des joueurs très précis sur les longs ballons. Malheureusement, sur ce coup, ça a marqué, en tout cas, le dosage était un peu trop pour Peter Edema pour aller récupérer ce ballon. L'Autopopo, je rappelle, veut enchaîner après sa victoire à Parakou le samedi passé. Mais pour l'instant, on est loin de donner le score de ce match. Parce qu'on venait, on vient juste de jouer la deuxième minute. Là-dessus, là, ballon bien protégé. Exactement, une bonne protection, une très bonne communion entre Nourdine Gakou et ses défenseurs pour protéger ce ballon jusqu'à la sortie pour empêcher l'attaquant de la JAC de pouvoir s'emparer du ballon. Imouran pour Gakou qui va jouer avec Olympe. Olympe. Ah non, attention à cette paire de balles. Faisal qui est parti. Regardez là où Faisal va aller récupérer ce ballon. Et c'est là que ça va être très très compliqué si réellement on a envie de marquer des buts. Faisal Bachir ne peut pas se retrouver aussi bas pour aller chercher le ballon juste carrément dans sa moitié de terrain. Pour chercher le ballon, ça va être très très compliqué de pouvoir remonter le ballon pour aller qui était le gagne de but à Vest. Il faudra que la ligne puisse être resserrée entre la défense, le milieu et l'attaque pour permettre à Faisal Bachir et Peter Edema de pouvoir avoir le ballon. Patrice Edjamé qui perd ce ballon. Permet à l'équipe de Jacques de repartir par l'entremise de son capitaine Saïd Aïndé.
on sera sans problème pour Nourdine Gakou. Nourdine Gakou qu'on avait vu lors de la Ligue Pro Suite, Ligue Pro j'allais dire, qui était feu follant. Il a été d'un acteur important, l'un des grands artisans de la belle saison réalisée par l'Autopopo, qui s'est qualifié en tant que leader de la zone B pour jouer la Super Ligue Pro pour la troisième année de suite. Et le club devra encore compter sur lui pour aller chercher ce titre de champion du Bénin qui lui a échappé la saison dernière. Nous sommes en milieu de terrain et la faute sur Kabirou Saka. Il y a beaucoup de Kabirou dans cette équipe, même si les écritures ne sont pas les mêmes. Exactement. Saïd Olinde, je ne sais pas si je prononce bien le nom. Saïd Olinde. Olinde. Un nom purement nigérian. Et vous avez vu rapidement la combinaison sur ce coup de pied arrêté du côté de cette équipe de l'Ajax. C'est comme ça qu'ils ont l'habitude de procéder pour surprendre leurs adversaires. Ils sont un jeu très rapide porté vers l'avant. On arrive rapidement à se projeter vers l'avant en envoyant des ballons dans le dos de l'adversaire. Et sur ce point, il faudra que la défense des joueurs de l'Autopropo soient réellement vigilants pour ne pas se faire surprendre. Ah, attention, une faute encore. Ah, ils profitent chaque fois de ces petites fautes. Et ça leur permet de se rapprocher davantage hein, de la surface de réparation de l'Autopropo. La touche à venir. Kader Touré qui va effectuer cette touche. Patrick Sejamin qui va jouer avec Imran. Rodrigue Fassinou cette fois-ci. Le ballon vers Faisal Bachi pour le petit jeu. Et démarre le premier sur le ballon. Le ballon revient dans les pieds de son capitaine, le gardien qui entre-temps avait touché ce ballon à Asté. La première sensation de ce match, même si elle n'était pas énorme. Oui, c'était une première alerte hein, dans la sphère de préparation de cette équipe de l'Ajax. Et on sent rapidement cette entente entre Faisal Bachir et Peter Edema. Deux joueurs complémentaires qui seront très importants, qui vont peser lourd sur la défense de l'Ajax. Et heureusement qu'il avait l'anticipation du gardien de but de l'Ajax, Hakim Otumba. Même si derrière il a relâché le ballon, malheureusement ça n'a pas profité à l'Autopropo. De toutes les façons, c'était déjà une belle alerte hein, dans le camp de cette équipe de l'Ajax. Une première alerte. La tête en déviation de ce joueur de l'Ajax. La touche de Rorik pour son capitaine Patrick Sejamin. On a l'impression que l'équipe de l'Autopropo ne tourne pas encore le tout pas encore très bien. La mayonnaise n'a pas encore pris. Non, on sent que ça cherche encore ses repères. On n'a pas encore réellement trouvé la vitesse de croisière pour imposer son rythme à cette équipe de l'Ajax, qui, il faut le reconnaître également, est très en place. Peut-être qu'on est dans le rang d'observation. On attend, pourquoi pas, peut-être les 15 premières minutes pour voir ce que sera cette rencontre entre les deux équipes. Avec un Roland Béakou qu'on voit très peu. L'avantage a été laissé sur ce ballon. Ils vont tenter la première frappe de ce match. Le poteau qui sauve l'Autopropo à la 8e minute. Ah là, ils ont eu chaud. Ah oui, il y avait réellement du feu dans la sphère de préparation de l'Autopropo grâce à ce joueur Samson Ademola qui est allé tout seul. Avec ce ballon qui lui a été lancé juste dans l'axe de la défense de l'Autopropo, il a su effacer deux adversaires et derrière sa frappe qui est allée mourir sur le poteau de Nourdine Gakou. Heureusement pour l'Autopropo, comme quoi l'Ajax n'est pas venu pour s'amuser. Rodrigue Fassinou qui va prendre ce ballon renversé, qui va envoyer la tête de Peter Edema manquée.
Ah, il y a de l'espace pour ces joueurs de l'Ajax qui essaient de prendre en confiance, essaient de prendre de gagner en confiance, j'allais dire. En tout cas, ils ont eu l'action la plus chaude, la plus sensationnelle dans cette partie avec ce poteau. Ah oui, ça a de quoi le mettre en confiance quand vous êtes, vous savez que vous êtes en déplacement, que vous jouez une équipe comme le Topopo qui, à domicile, reste maître de ses adversaires et que vous arrivez sur une première occasion à trouver le poteau. On se dit, tiens, il y a réellement de la place pour aller chercher. Ah, Faisal, il est tout seul là. Va-t-il allumer l'ouverture du score à la 10e minute comme son numéro 10. Il vient de montrer qu'il est Faisal Bashir, qu'il a retrouvé maintenant le sens de but. Faisal Bashir qui ouvre ici le score. 1-0 pour le Topopo. Jules Tavodounon. Et je ne me suis pas empêché, je n'ai pas pu m'empêcher de pouvoir applaudir ce beau but de Faisal Bashir qui, de contrôle de la poitrine, s'est mis de la tête. La situation, exactement de la tête, s'est mis dans la situation idéale. Et derrière, il enchaîne avec la frappe qui n'a laissé aucune chance à Hakim Otumba. Comme quoi, il y a, avec ce joueur, il faut pas, on n'a pas besoin de beaucoup d'occasions pour pouvoir marquer. Il y a derrière une occasion similaire à cette équipe de l'Ajax. Ils n'ont pas pu en profiter, mais derrière, le Topopo n'a pas loupé. Faisal Bashir ne s'est pas loupé, il n'a pas manqué l'occasion d'ouvrir le score. Ah, c'était allé très vite. 10e minute. Regardez le contrôle, vous analysez un peu. Exactement, le contrôle de la tête pour éliminer déjà les défenseurs de cette équipe de l'Ajax. Ce qui lui permet d'être bien lancé vers les buts de Hakim Otumba. Et la frappe avec toute la puissance et la qualité qu'on lui connaît et qui est allé fusiller ce gardien de but pour ouvrir le score. Hakim Otumba n'a pu rien faire sur ce ballon. Et ça monte en animation en tribune. Un but qu'on va certainement dédier à tous les supporters de l'Autopopo. On n'a pas vu ce qui s'est passé. Comme fait, il y a eu un geste et la touche à venir. Faisal Bashir qui va encore mettre la poitrine pour prendre ce ballon. Il va jouer avec Abdel Zakiou qui n'a pas pu prendre ce ballon. Il n'avait pas su anticiper sur la passe de Faisal Bashir parce qu'au moment où Bashir avait le ballon, il avait l'impression de revenir en arrière. Malheureusement pour lui, la passe a été envoyée beaucoup plus en profondeur. Difficile de pouvoir contrôler le ballon, ce qui donne une touche à cette équipe de l'Ajax qui obtient finalement un coup franc. Julien Tavodron, vous aimez quand l'Autopopo ouvre si tôt le score? Ben, vous savez très bien qu'on ne souhaite que la victoire pour cette équipe qui mérite de retrouver le trône de champion du Bénin. Ah, ça fera une très belle opération si l'Autopopo arrive à enchaîner. Je rappelle qu'ils avaient commencé la saison par une défaite, donc ils n'ont pas se rattraper. Ils ont enchaîné une bonne série de victoires, en tout cas de matchs sans défaite. Et ce n'est qu'à la dernière journée qu'ils ont fini par faire face à Bali. Donc c'est ici qu'il fallait reprendre les matchs à domicile par une victoire. Peter Edema, Peter est la main pour prendre le ballon. Il passait avec ce geste. Peter Edema. Mais quelle intelligence de la part de ce joueur. Regardez, il a fait la différence. Exactement. Et il s'est déjà retrouvé là où il mettait son ballon, regardez. Il savait que le ballon allait passer et qu'il ne lui restait qu'être en bonne posture pour tenter la frappe, malheureusement. Et Nourouddine Gakou qui négocie, allez, jouer ce coup franc. On le connaît également pour sa précision sur les coups de pied arrêtés. Il a été... cette configuration. Mais il demande toujours... Mais il ne faut pas prendre de risque, hein, parce qu'on sait que
ça peut aller très vite sur les contres. On a suffisamment de tireurs dans cette... regardez. Il y a Mathias, malheureusement, qui est sur le bord de touche. On le connaît également plus tard, pour ce de femme. Il y a le capitaine ou le vice-capitaine, si vous voulez. On dit Passinou, qui est aussi très bon sur les coups de pied arrêtés. Ah, c'est une occasion de but. Il faut forcer l'addition quand on a le coup, l'opportunité. Je crois que c'est une très bonne occasion là de marquer le but du break, même si c'est encore trop tôt. La rencontre. On ne joue que le premier quart d'heure dans ce match. Mais déjà mené 2-0, ça donne, en tout cas, ça met le vent en poupe à l'équipe. Et ça donne, pourquoi pas, un regain de confiance pour aller marquer davantage. Et l'arbitre qui fait comprendre, Daniel Semato qui est couché derrière le mur. On fait aussi le mur à l'anglaise. Ah oui, il faut faire attention si jamais le ballon touche la main, il peut tirer le pénalty et aller dire l'arbitre. Allez, Rodi Passinou, il faut le mettre au fond, il faut le mettre au fond. Il n'a pas pu cadrer. Il n'a pas pu cadrer ce ballon. Juste au-dessus. Il n'a pas suivi. Cadré. Ah, il a l'habitude de marquer des coups francs du genre. Il n'a pas pris d'élan. Sans élan. C'est vrai que ça lui arrive de réussir souvent, mais malheureusement, sur ce coup, c'est pas évident. Un débat qui n'arrive pas à reprendre ce ballon. Abdel Zakiou, le ballon reste toujours pour les Lotto Boys. Gaston. Et la frappe de Gaston. Et Fabien Saki monte d'un cran. Dans les tribunes, et ça montre à quel point on a bien envie de voir l'équipe s'imposer à domicile. Nourodi Ngakou qui pousse son ballon devant. Roland Béakou qui fait l'effort de prendre ce ballon, mais il n'a pas pu. Et la touche rapidement exécutée par les joueurs de Jacques. On met le pied sur le ballon maintenant côté Jacques. Nous sommes en milieu de terrain. La bataille en milieu de terrain avec Rodrigue Fassino. Attention, Kabirou est passé. Il n'y a pas de faute. Le capitaine Patrick Segamin reprend ce ballon. Faisal Bachi qui va passer. Et qui va servir Roland Béakou, 1-2 entre les deux joueurs. Faisal Bachi qui regarde, qui fait le jeu de regard, mais qui va essayer de fixer son vis-à-vis. Il frappe, le ballon a été contré. Et Patrice est jamais pour marquer. L'arbitre qui entre-temps avait déjà, sifflé une faute sur le gardien. Du gardien de but de l'Ajax. Sinon, c'était très bien joué de la part des joueurs de l'Utopopo. Avec Faisal Bachir, qu'est-ce qu'on demande aux attaquants? Il faut rapidement pouvoir lever la tête pour voir la position, le fonctionnement de ses partenaires. Il a su le faire, il a vu que Peter Edeman était bien lancé. Il a fait le contrôle qu'il fallait. Il avait le développement, malheureusement. Il avait la sortie anticipée du gardien de but. Et apparemment, il s'est fait un peu mal sur l'action. Faisal qui... Parce qu'on le voit dans le se toucher les adducteurs. Exactement. Espérons qu'il n'y a rien de mal. Et que ça ne soit rien de grave. Parce qu'on le sait, il a été beaucoup touché. Ah, là il touche la cuisse. On doit avoir un peu peur pour lui. Vivement qu'il arrive à s'en remettre. Parce qu'il fait un début de match très intéressant. Et quand vous êtes en confiance... Que un coup d'arrêt qui vient comme ça, c'est pas bon pour le moral. Hein. On le voit, il s'est relevé, il marche très bien. Espérons que ça soit pour revenir sur la pelouse. Thank you.
Faisal Bachi qui reste toujours aux soins. Olem Gatou qui va dégager. Pendant ce temps, du côté de Koubet, Aïeba qui mène 1-0 devant Balingansé, qui a été la surprise lors de la première journée, qui a fait tomber cette équipe des buffles. Balingansé qui a fait une très belle prestation aussi lors de la Ligue Pro. Attention à ce ballon, Kabirou va frapper. Non, il va tenter la passe. Patrice Sejamin un peu bas pour prendre ce ballon. Peter Yema. De touche. Peter Lema va protéger son ballon qui va bénéficier d'une faute. On regarde l'attention, regardez la protection de balle de Peter. Il a été séché. Apparemment, il a été. Il a reçu un coup au niveau de la cheville, on dirait. On rappelle que le match est officié par Modeste Koma Koyi. Koma Koyi. C'est lui l'arbitre central, le premier assistant. Alain Bouti. Et puis. Le deuxième, Edouard Tchogou. L'arbitre réserve de ce match est bien sûr Noël Aoudjo. Ah, attention, les deux attaquants de l'Autoropos sont touchés. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Hein. Espérons qu'ils puissent revenir très vite sur le terrain parce que là, être. Privé d'entrée de ces deux attaquants, ça va être compliqué. Au moins, il y a déjà Faisal qui est sur le terrain. Roland Béakou qui prend ce ballon. Patrick Sejamin, Kadet Touré. Roland. La faute sur Roland Béakou. A beaucoup de fautes. Faisal Bachi qui revient complètement en milieu de terrain pour organiser le jeu. Faisal Bachi qui est dans un rôle beaucoup plus électron libre. Et ça aussi, c'est quand on le voit au lieu de revenir organiser un peu le jeu au niveau du milieu de terrain, c'est aussi parce qu'on sent qu'il manque d'un joueur vraiment technique au niveau du milieu de terrain. Ça n'a pas de faire la différence de pouvoir nourrir les attaquants, ce qui oblige. Faisal Bachi à descendre, chercher le ballon, essayer de réorganiser un peu le jeu pour relancer les offensives, ce qui fait que l'Autoproc se retrouve avec un attaquant en moins sur les phases offensives. La mauvaise passe de Roland Béakou. Le ballon est perdu et la faute sur. Ce joueur, Samson Ademola. Celui-là même qui avait touché le poteau à la 8e minute de jeu. Et deux minutes plus tard, ça a été la sanction de Faisal Bachir qui a mis le but, l'unique pour le moment de cette partie. Ah, c'est celui qui n'a pas mis des protèges. Regardez. Ah non, il a quelque chose, du moins. C'est pas les protèges, mais il avait quelque chose dans les mains. Et l'arbitre lui a dit d'enlever. La tête en déviation de Rodrigue.
l'une d'eux n'a pas fonctionné. Ça va permettre à Patrick, il faut lui parler à ce ballon perdu. Heureusement pour l'Autopopo, il faut se parler. Heureusement que cette frappe a été contrée et qui a permis rapidement à Rodinga de s'emparer du ballon. Sinon, si elle vient de perdre de balle, ça peut faire avoir des regrets à la fin du match, heureusement. Ah, la faute sur Faisal qui n'a pas été sifflé. Belle couverture. Et apparemment les Kabirous, ils sont chauds. Hein, ils ah sont... Edema qui va partir encore. Peter. Il faut y aller. Peter Edema qui met la tête, qui fiche son adversaire, qui fait quelques passements de jambes, qui va essayer de servir Faisal, mais ça n'a pas fonctionné. Zaki Bablaï qui rejoue en arrière. Patrick Sedamin a regardé l'appel, c'était bien joué. Il y a les joueurs de l'Ajax qui crient, ils pensent qu'il y a une position de hors-jeu. Mais il n'y avait pas de position ici. Il y avait une position de hors-jeu. Et la vie de touche, il l'a très bien vu parce que il était, Roland Béacou était très bien couvert par la défense de cette équipe de l'Ajax. Mais quoi qu'on dise, Patrick Sedamin, mine de rien, dans l'ombre, il a un travail énorme. Il est toujours dans les mauvais coups quand il s'agit de bien sûr de bloquer ou d'interrompre les offensives de l'équipe adverse. Il est toujours sur les premiers ballons pour les empêcher de se progresser, d'aller vers l'avant. On va suivre ensemble ce coup franc. Ce qui semble être loin et... Je crois qu'il y a le numéro 3 sur le ballon, Isaac Akuma. Ah, il va laisser plutôt. Non, c'est plutôt le numéro 8, Sei Ogutaye. Ogutayo, c'est bien sûr son nom. C'est joué au second poteau. La tête du numéro 20. Le ballon a été touché, ça donne un corner. Le ballon a été touché. C'était quand même très bien joué de leur part, c'était intelligemment joué parce que quand on voit la remise telle que ça a été fait, heureusement que Loro Digaku n'est pas sorti de ses buts et qu'il a juste essayé de fermer le premier poteau pour empêcher l'attaquant de frapper au moment de pouvoir contrôler le ballon. Il avait le pied pour l'envoyer en corner. On va suivre ce corner en regardant les buts de Loro Digaku. Le corner est parti. Sorti au second poteau. Ça donne un deuxième corner, mais cette fois-ci, ça chante de côté pour Jacques. Le Topopo qui mène depuis la 10e minute de jeu. Un but marqué par Faisal Bashi. Ah, ce corner en train, la faute de main. De Nourouddine Gakou, heureusement que sa défense veillait au grain pour sortir ce ballon et on l'allume encore. Eh bien, ils ont apparemment compris qu'il y a une faiblesse de la défense de l'Autopopo qu'il faut exploiter. C'est vrai que ce coup, c'était une mauvaise sortie de la part de Nourouddine Gakou. C'est vrai qu'il a su anticiper sur le ballon. Malheureusement, il y avait ces mecs qui n'étaient pas assez faits pour pouvoir capter le ballon. Heureusement que derrière, il y avait cette défenseur pour faire la couverture, pour envoyer le ballon. Mais apparemment, les attaquants de l'Ajax semblent trouver la solution avec cette île de loin. Il faudrait être vraiment vigilant. Même pour prendre ce ballon et jouer avec Rodrigo qui revient sur Mourad Olympe. Rodrigo Mourad Olympe. Le contre
contrôle manqué. Oh, la faute. On voit au niveau des joueurs de l'Ajax, les deux Kabirou qui sont très intéressants également, qui vous obligent même parfois. Vous avez, on peut même se tromper sur leur identité sur le terrain parce que vous avez les deux joueurs qui semblent avoir les mêmes gabarits et qui ont pratiquement la même façon de jouer sur le terrain. Belle lecture là de Nourouddine Gakou. Belle sortie anticipée. Sinon, il était très bien lancé en profondeur. Et derrière, il y a également la position de hors-jeu qui avait été signalée. Heureusement. Je n'arrive pas correctement à lire cette équipe de la Jac qui parfois se retrouve en 4, je crois, en 4-3-3, mais parfois on a l'impression que tout est désorganisé. C'est aussi une façon de pouvoir tromper la vigilance de l'adversaire parce qu'on sait qu'il y a un certain surnombre des joueurs de l'autocoupeau de la sphère de réparation adverse. Et pour les contre-carrés, il faut qu'ils arrivent aussi à apporter le surnombre. Mais vous allez voir qu'avant, quand ils sont en position en phase offensive, vous voyez comment ils se portent rapidement vers l'avant. Et ils sont pratiquement 4-5 sur les phases offensives. Attention, ce ballon. Le numéro 22 qui va chercher la faute. Intelligemment chercher cette faute. La faute cherchée par Olainka. Onaolapo. Que de noms nigérians dans cet effectif de la Jac. Non, c'est un constat. On me dira que les gens de Kétou aussi portent ces noms. Je pense que il y en a trop. Il n'y a pas de faute sur Patrice Ndiamé. Attention à ce ballon perdu. Quelle belle défense de Olem Ganti. Rodrigue Fassi nous est fissé. Il ne laisse pas passer. Il va réussir à le sortir. Le Roudine Gakou est resté sur sa ligne pour prendre ce ballon. L'appel de Peter Edema qui va au milieu de terrain chercher ce ballon. Faisal Bachi est sur le second ballon et la faute de Faisal Bachi. Il a su mettre son pied, son corps en opposition pour aller pour devancer l'adversaire. Malheureusement, il y avait ce petit coup de semelle qu'il a donné à son adversaire, ce qui n'a pas échappé. Modeste Koma Koyin, l'arbitre de cette rencontre. Attention, il faut pas jouer au jeu de cette équipe de la Jac. On a l'impression que ça garde pas beaucoup le ballon, mais ça joue bien. Ça joue bien. Et surtout, ça, ils sont un peu et surtout ils sont très dangereux sur les phases offensives. Zakiou qui va récupérer, bien joué par Peter qui laisse ce ballon. Et tu le touches trop. Et quel numéro de Roland Biakou. Roland, c'est vrai qu'il a trop touché, mais il a fini par donner la passe. Regardez la passe. Et le centre au second poteau. Le gardien a repoussé ce ballon de Rodrigue Fassim. Apparemment, l'arbitre qui indique la touche, comme quoi, apparemment, il n'a pas touché. Il n'a même pas touché. Le centre était très bien tendu pour un attaquant bien placé qui peut reprendre rapidement de la tête, malheureusement. Il n'y avait pratiquement personne au point de pénalty pour aller reprendre ce ballon. Ce centre-ci, je l'ai déjà dit, de Rodrigue Fassinou, on avait l'impression que ça avait touché le gardien. Tu dois avoir la sortie qu'il a anticipée avec le bras, mais à l'arrivée, visiblement, ça n'a pas touché le ballon, puisque ça a été une touche accordée à son équipe. Zakiou Abdoulaye qui vient au milieu prendre le ballon. Zakiou qu'on ne voit pas dans sa position habituelle où il est souvent lancé.
Kader Touré qui a des difficultés à prendre ce ballon, qui sort en touche. Et là, vous venez d'attirer mon attention sur ces deux joueurs. Tant qu'on est très offensif, qui arrive à apporter le surnom de la défense adverse, qui arrive à être intéressant dans la phase offensive avec beaucoup plus de débordement dans les couloirs. Mais pour le moment, on ne les sent pas suffisamment assez. Et on voit même Rodrigo Bassino qui se retrouve à dépasser Zakiou sur les phases offensives pour aller reprendre le ballon pour tenter de descendre. Alors que de ce côté, on a Kader Touré qui visiblement joue un peu bas cet après-midi. On ne le voit pas aussi porter vers l'avant comme d'habitude. Et ça aussi, c'est peut-être avec, à cause du dispositif tactique en face. Il ne faudrait pas prendre du risque parce qu'on sait, dans les couloirs, ça va très vite du côté de la Jacques. On mène 1-0, c'est ce qu'on retient, Jules. Mais attention, il faut chercher à corser l'addition. Attention à ce ballon perdu encore. Le centre contré par Rodrigue, capté par le gardien Nouroudine Gakou, sans problème cette fois-ci pour le gardien des Lotto Boys. Et il faut éviter les pertes de balles aussi proches de sa soie de réparation parce qu'on a vu sur plusieurs occasions ces joueurs de l'Ajax qui se sont montrés plusieurs fois dangereux. Il ne faut pas leur offrir des occasions, des balles de but de cette façon parce que apparemment, tel que je les vois, tel que je les sens, ils ne vont pas louper l'opportunité quand on va leur accorder. Ça va repartir avec Nouroudine Gakou, Ibrahim et Mourad. Le ballon dégagé par la défense. La tête de Patrick Sejamin est récupérée déjà en milieu terrain par les Violets. Les joueurs de Jacques, Kabirou. Ah, attention, la sortie. Il touche le ballon pour envoyer au corner, en corner. Ah, attention, il ne faut pas prendre ce genre de risque. On le dit et on ne le cessera jamais de le dire assez. Il faut éviter de se mettre en difficulté quand on est aussi proche, quand on est dans sa zone de préparation. C'est des opportunités qu'il faut surtout apprendre à éviter. Envoyer si possible le ballon loin de sa cage parce que laisser l'adversaire revenir à ce moment précis de la rencontre, ce serait très très compliqué, ça ne serait pas bien, ça serait une opportunité de les relancer complètement dans la rencontre. Ah, ça fait déjà le quatrième corner. Ah, il ne faut pas jouer au feu. Ah, la sortie manquait encore de Nouroudine Gakou. Heureusement que à chaque fois. Je pense que Nouroudine Gakou a été touché sur cette action. Parce qu'on voit également qu'il y a un attaquant de la Jacques qui se tord de douleur également. Ah, Nouroudine Gakou qui souffre, qui ne fait pas beaucoup de mouvements. Ça va être du là. Regarde ce qui s'est passé, regardez la sortie de Nouroudine Gakou. Il n'a pas touché le ballon, mais il a été touché par le joueur, l'attaquant de la Jacques. Il y a l'attaquant qui cherchait à avoir le ballon, et lui, il était beaucoup plus avancé, malheureusement, il n'a pas pu reprendre le ballon. Mais dans son duel, il a visiblement été touché dans le dos. Thank you.
plus de peur que de mal pour Nourdine Gakou, qui a retrouvé ses esprits, ainsi que l'attaquant de la Jacques qui a été tombé. Il y a la tête qui mène face à Asbo 8-0, pendant que les Cavaliers également mènent devant l'AS Cotonou 8-0. Et les Requins qui viennent de double le score également sur pénalty. Ça va très bien. Les Requins qui avaient perdu lors de leur premier match. On dit merci à tous ceux qui nous suivent via notre chaîne YouTube et sur la page Facebook. On sait que vous êtes nombreux à supporter le Topopo. Vous êtes nombreux à porter cette équipe de Grand Popo. Il y en a qui semblent aussi bien lire le jeu comme Irénée Silémion qui estime que l'équipe en face joue beaucoup plus regroupée, donc il faudra que le Topopo puisse jouer en une touche de balle pour pouvoir déstabiliser son adversaire. Comme quoi tout le monde suit le match et on a bien envie de voir le Topopo gagner. Et c'est l'essentiel. Comme Constantino Wilson qui dit que le Topopo, quand il ouvre le score 8, on n'est pas heureux. On est heureux du moins. Patrick qui surgit, la faute sur Patrick, c'est jamais. Une faute très dangereuse sous les barbes de l'arbitre Modeste Comancoy. Ah, le capitaine des Verts s'est relevé. Et Rodrigue va prendre ce ballon, ce coup franc qui est bien placé pour Rodrigue. Et pendant ce temps, vous avez un autre internaute à saluer rapidement. En tout cas, ils sont tous contents de voir le Topopo mener au score, même si c'était estime que ça manque un peu de réalisme, sinon on aurait pu en marquer plus. Il y a Jean Towade qui a envoyé son message de soutien au club, comme quoi nous sommes tous toujours avec le Topopo. Et quand vous avez du soutien, c'est que vous avez l'obligation de gagner pour donner de la joie à tous vos supporters, à tous vos fans, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Il y a également Eddie Kakba qui nous suit depuis Candy. Ah, Edema, Peter Edema qui frappe. La frappe de Peter Edema. À la résistance de Peter Edema, encore là, regardez. C'était il fait la différence, il résiste au retour de la du défenseur. Il passe entre deux adversaires et derrière, il y a deux qui couraient derrière lui. Mais entre-temps, il était déséquilibré, ce qui ne lui permettait pas forcément d'avoir toute la disposition de son corps pour pouvoir cadrer sa frappe. On l'a vu dans, dans l'exécution, dans l'enchaînement, tout était parfait malheureusement. Dans la frappe, ce n'était pas forcément la meilleure disposition pour lui pouvoir cadrer le tir et ça a filé au-dessus de la cage. Le bon retour défensif de Imouran Hassan. Pas Imouran Hassan, mais Imouran Ibrahim. Parce que Imouran Hassan, justement, on va en parler. Il est en quart de finale de la CAN U20. Et le Bénin qui joue gros demain. Il n'y a pas que Imouran Hassan, il y a aussi Zoukaneri Seibou, deux joueurs de l'Autopopo. Et le patron de l'encadrement aussi de l'Autoboys, Mathias Deguenon. Exactement. Qui se trouve de l'autre côté du quai. Un ballon récupéré encore avec la manière de Faisal Bachi. Et toujours lui qui descend pour essayer d'organiser le jeu. Ah, regardez comment il lance Kader Touré qui va faire le centre. Non, le centre cette fois-ci n'est pas travaillé. Il
aurait pu garder encore plus le ballon pour aller en profondeur, malheureusement. Son centre était un peu trop enlevé pour retrouver ses partenaires de la soirée de préparation. Il y avait notamment Peter Indema, malheureusement. Le centre ne parviendra jamais à, à son niveau. Olem Gatti qui fait le grand saut et la faute sur... Et apparemment, il va recevoir beaucoup de coups, Faisal Bachir. Oui. Surtout avec le même joueur. Ils ont compris que c'est un joueur dangereux. Et la meilleure façon, c'est de lui mettre la pression, Makadi à la culotte. Et ça devient un peu de trop parce qu'il a, je crois qu'il a, commence à recevoir pas mal de coups. Alors qu'on est dans les dernières secondes de ces 45 premières minutes de cette rencontre avec le Topopo qui mène toujours un 8-0 grâce à ce but marqué par Faisal Bachir depuis la 10e minute de jeu. Et le coup franc botté par Olem Imran. Ah, il faut jouer costaud, Roland Béakou. Il y en aura 2 minutes additionnelles. 2 minutes encore dans cette partie. Ah, attention, il ne faut pas concéder l'égalisation dans ce temps additionnel. Patrick Sediamek qui surgit. Mais qui n'empêche pas le centre-tir. À un moment donné, on a l'impression que la défense a joué beaucoup plus trop statique. Parce qu'après la faute sur Sediamek, ils s'attendaient tous à ce que la victoire siffle. Malheureusement, il n'a pas sifflé. Et le centre-tir, qui heureusement est passé juste au-dessus des buts. Ah, Patrick Sediamek, j'ai peur. Là, Patrick Sediamek ne sait plus le lever. On demande aux sapeurs-pompiers de venir le chercher. Ah, mais il va se relever finalement. Faisal qui récupère encore ce ballon, mais perdu par son capitaine. Il est fort et la frappe contrée. Elle a vu la réaction de Nourouddin Gakou après la déviation de la tête de cette frappe de Kabirou. On sent pas aussi Nourouddin Gakou. Cet après-midi, on ne le sent pas comme Nourouddin Gakou qu'on avait l'habitude de voir. C'est vrai, il y a eu quelques arrêts, mais Nourouddin Gakou... On le connaît plus, j'étais sinon. Il n'est pas peut-être encore dans son match pour le moment. Il faudra qu'il se mette beaucoup plus en confiance. Et encore une fois, on vient de le voir, Nourouddin Gakou qui se loupe une nouvelle fois. Ça fait un peu trop. Heureusement que la fin de la rencontre est intervenue justement après cette sortie ratée. Heureusement, il s'est blessé. Apparemment, il a encore touché. Et ce soir, on sent que il n'est pas vraiment le meilleur Nourouddin Gakou. Il n'est pas dans son plan. Habitué. On va espérer le retrouver après la mi-temps, plus en forme. Retenez que le Topopo mène, comme vous avez à l'affichage, 1-0 contre la Jeunesse athlétique de Kétou, but marqué à la 10e minute par le phénomène Faisal Bachir. L'homme grâce à qui le Topopo mène pour l'instant à la pause et qui pour l'instant tient sa deuxième victoire de suite en cette Super League Pro du Bénin avec toutes les rencontres de cette deuxième journée qui se dispute aujourd'hui et tous les résultats vous pouvez les avoir également en live sur l'application de Global Sport Management GSM Sport que vous pouvez télécharger facilement sur Play Store. En tout cas, on
on espère avoir une victoire beaucoup plus rassurante de cette équipe de l'Autopopo. On ne veut pas qu'un seul but, au moins deux. On veut au moins deux buts et on va prendre une gorgée d'eau et on revient. Etem wandi kare minawa, koro kwenye gambi do koko. Mina tu zane di. Des gagnants, nous en faisons tous les jours, à chaque instant. Notre jeu LNB Chance, le nouveau chouchou des parieurs, fait des heureux 200 000 francs à gagner par jour. Je vous prie donc d'applaudir mesdames Azanriha Muriel et Ingrid, monsieur Abinonkwa Christophe et monsieur Koundé Jody. Ils gagnent chacun 200 000 francs. Faites comme eux, composez étoile à 501 dièse, suivez les instructions et puis bonne chance à vous. LNB Chance, saisissez votre chance. Et t'es moi, Mika Reminawa, pour le point des gambis de coco. Mina Touzan est dit. Des gagnants, nous en faisons tous les jours, à chaque instant. Notre jeu LNB Chance, le nouveau chouchou des parieurs, fait des heureux 200 000 francs à gagner par jour. Je vous prie donc d'applaudir mesdames Azanriha Muriel et Ingrid, monsieur Abinonkwa Christophe et monsieur Koundé Jody. Ils gagnent chacun 200 000 francs. Faites comme eux, composez étoile à 501 dièse, suivez les instructions et puis bonne chance à vous. LNB Chance, saisissez votre chance. Et t'es moi, Mika Reminawa, pour le point des gambis de coco. Mina Touzan est dit. Des gagnants, nous en faisons tous les jours, à chaque instant. Notre jeu LNB Chance, le nouveau chouchou des parieurs, fait des heureux 200 000 francs à gagner par jour. Je vous prie donc d'applaudir mesdames Azanriha Muriel et Ingrid, monsieur Abinonkwa Christophe et monsieur Koundé Jody. Ils gagnent chacun 200 000 francs. Faites comme eux, composez étoile à 501 dièse, suivez les instructions et puis bonne chance à vous. LNB Chance, saisissez votre chance. Et t'es moi, Mika Reminawa, pour le point des gambis de coco. Mina Touzan est dit. Des gagnants, nous en faisons tous les jours, à chaque instant. Notre jeu LNB Chance, le nouveau chouchou des parieurs, fait des heureux 200 000 francs à gagner par jour. Je vous prie donc d'applaudir mesdames Azanriha Muriel et Ingrid, monsieur Abinonkwa Christophe et monsieur Koundé Jody. Ils gagnent chacun 200 000 francs. Faites comme eux, composez étoile à 501 dièse, suivez les instructions et puis bonne chance à vous. LNB Chance, saisissez votre chance. Et t'es moi, Mika Reminawa, pour le point des gambis de coco. Mina Touzan est dit. Des gagnants, nous en faisons tous les jours, à chaque instant. Notre jeu LNB Chance, le nouveau chouchou des parieurs, fait des heureux 200 000 francs à gagner par jour. Je vous prie donc d'applaudir mesdames Azanriha Muriel et Ingrid, monsieur Abinonkwa Christophe et monsieur Koundé Jody. Ils gagnent chacun 200 000 francs. Faites comme eux, composez étoile à 501 dièse, suivez les instructions et puis bonne chance à vous. LNB Chance, saisissez votre chance. Et t'es moi, Mika Reminawa, pour le point des gambis de coco. Mina Touzan est dit. Des gagnants, nous en faisons tous les jours, à chaque instant. Notre jeu LNB Chance, le nouveau chouchou des parieurs, fait des heureux 200 000 francs à gagner par jour. Je vous prie donc d'applaudir mesdames Azanriha Muriel et Ingrid, monsieur Abinonkwa Christophe et monsieur Koundé Jody. Ils gagnent chacun 200 000 francs. Faites comme eux, composez étoile à 501 dièse, suivez les instructions et puis bonne chance à vous. LNB
B Chance. Saisissez votre chance. Et moi, mi carré minawa, pour au point d'engambi de coco. Mina tous en est dit. Des gagnants, nous en faisons tous les jours, à chaque instant. Notre jeu LNB Chance, le nouveau chouchou des parieurs, fait des heureux 200 000 francs à gagner par jour. Je vous prie donc d'applaudir mesdames Azanriha Muriel et Ingrid, monsieur Abinonkpa Christophe et monsieur Koundé Jody. Ils gagnent chacun 200 000 francs. Faites comme eux, composez étoile 501 dièse, suivez les instructions et puis bonne chance à vous. LNB Chance, saisissez votre chance. Et moi, mi carré minawa, pour au point d'engambi de coco. Mina tous en est dit. Des gagnants, nous en faisons tous les jours, à chaque instant. Notre jeu LNB Chance, le nouveau chouchou des parieurs, fait des heureux 200 000 francs à gagner par jour. Je vous prie donc d'applaudir mesdames Azanriha Muriel et Ingrid, monsieur Abinonkpa Christophe et monsieur Koundé Jody. Ils gagnent chacun 200 000 francs. Faites comme eux, composez étoile 501 dièse, suivez les instructions et puis bonne chance à vous. LNB Chance, saisissez votre chance. Et moi, mi carré minawa, pour au point d'engambi de coco. Mina tous en est dit. Des gagnants, nous en faisons tous les jours, à chaque instant. Notre jeu LNB Chance, le nouveau chouchou des parieurs, fait des heureux 200 000 francs à gagner par jour. Je vous prie donc d'applaudir mesdames Azanriha Muriel et Ingrid, monsieur Abinonkpa Christophe et monsieur Koundé Jody. Ils gagnent chacun 200 000 francs. Faites comme eux, composez étoile 501 dièse, suivez les instructions et puis bonne chance à vous. LNB Chance, saisissez votre chance. Et moi, mi carré minawa, pour au point d'engambi de coco. Mina tous en est dit. Des gagnants, nous en faisons tous les jours, à chaque instant. Notre jeu LNB Chance, le nouveau chouchou des parieurs, fait des heureux 200 000 francs à gagner par jour. Je vous prie donc d'applaudir mesdames Azanriha Muriel et Ingrid, monsieur Abinonkpa Christophe et monsieur Koundé Jody. Ils gagnent chacun 200 000 francs. Faites comme eux, composez étoile 501 dièse, suivez les instructions et puis bonne chance à vous. LNB Chance, saisissez votre chance. Et moi, mi carré minawa, pour au point d'engambi de coco. Mina tous en est dit. Des gagnants, nous en faisons tous les jours, à chaque instant. Notre jeu LNB Chance, le nouveau chouchou des parieurs, fait des heureux 200 000 francs à gagner par jour. Je vous prie donc d'applaudir mesdames Azanriha Muriel et Ingrid, monsieur Abinonkpa Christophe et monsieur Koundé Jody. Ils gagnent chacun 200 000 francs. Faites comme eux, composez étoile 501 dièse, suivez les instructions et puis bonne chance à vous. LNB Chance, saisissez votre chance. Et moi, mi carré minawa, pour au point d'engambi de coco. Mina tous en est dit. Des gagnants, nous en faisons tous les jours, à chaque instant. Notre jeu LNB Chance, le nouveau chouchou des parieurs, fait des heureux 200 000 francs à gagner par jour. Je vous prie donc d'applaudir mesdames Azanriha Muriel et Ingrid, monsieur Abinonkpa Christophe et monsieur Koundé Jody. Ils gagnent chacun 200 000 francs. Faites comme eux, composez étoile 501 dièse, suivez les instructions et puis bonne chance à vous. LNB Chance, saisissez votre chance. Et moi, mi carré minawa, pour au point d'engambi de coco. Mina tous en est dit.
Des gagnants, nous en faisons tous les jours, à chaque instant. Notre jeu LNB Chance, le nouveau chouchou des parieurs, fait des heureux 200 000 francs à gagner par jour. Je vous prie donc d'applaudir mesdames Azanriha Muriel et Ingrid, monsieur Abinonkwa Christophe et monsieur Koundé Jody. Ils gagnent chacun 200 000 francs. Faites comme eux, composez étoile à 501 dièse, suivez les instructions et puis bonne chance à vous. LNB Chance, saisissez votre chance. Et t'es moi, mais carré, minawa, pour au point d'un gambit de coco. Mina tous en est dit. Des gagnants, nous en faisons tous les jours, à chaque instant. Notre jeu LNB Chance, le nouveau chouchou des parieurs, fait des heureux 200 000 francs à gagner par jour. Je vous prie donc d'applaudir mesdames Azanriha Muriel et Ingrid, monsieur Abinonkwa Christophe et monsieur Koundé Jody. Ils gagnent chacun 200 000 francs. Faites comme eux, composez étoile à 501 dièse, suivez les instructions et puis bonne chance à vous. LNB Chance, saisissez votre chance. Et t'es moi, mais carré, minawa, pour au point d'un gambit de coco. Mina tous en est dit. Des gagnants, nous en faisons tous les jours, à chaque instant. Notre jeu LNB Chance, le nouveau chouchou des parieurs, fait des heureux 200 000 francs à gagner par jour. Je vous prie donc d'applaudir mesdames Azanriha Muriel et Ingrid, monsieur Abinonkwa Christophe et monsieur Koundé Jody. Ils gagnent chacun 200 000 francs. Faites comme eux, composez étoile à 501 dièse, suivez les instructions et puis bonne chance à vous. LNB Chance, saisissez votre chance. Et t'es moi, mais carré, minawa, pour au point d'un gambit de coco. Mina tous en est dit. Des gagnants, nous en faisons tous les jours, à chaque instant. Notre jeu LNB Chance, le nouveau chouchou des parieurs, fait des heureux 200 000 francs à gagner par jour. Je vous prie donc d'applaudir mesdames Azanriha Muriel et Ingrid, monsieur Abinonkwa Christophe et monsieur Koundé Jody. Ils gagnent chacun 200 000 francs. Faites comme eux, composez étoile à 501 dièse, suivez les instructions et puis bonne chance à vous. LNB Chance, saisissez votre chance. Et t'es moi, mais carré, minawa, pour au point d'un gambit de coco. Mina tous en est dit. Des gagnants, nous en faisons tous les jours, à chaque instant. Notre jeu LNB Chance, le nouveau chouchou des parieurs, fait des heureux 200 000 francs à gagner par jour. Je vous prie donc d'applaudir mesdames Azanriha Muriel et Ingrid, monsieur Abinonkwa Christophe et monsieur Koundé Jody. Ils gagnent chacun 200 000 francs. Faites comme eux, composez étoile à 501 dièse, suivez les instructions et puis bonne chance à vous. LNB Chance, saisissez votre chance. Et t'es moi, mais carré, minawa, pour au point d'un gambit de coco. Mina tous en est dit. Des gagnants, nous en faisons tous les jours, à chaque instant. Notre jeu LNB Chance, le nouveau chouchou des parieurs, fait des heureux 200 000 francs à gagner par jour. Je vous prie donc d'applaudir mesdames Azanriha Muriel et Ingrid, monsieur Abinonkwa Christophe et monsieur Koundé Jody. Ils gagnent chacun 200 000 francs. Faites comme eux, composez étoile à 501 dièse, suivez les instructions et puis bonne chance à vous. LNB Chance, saisissez votre chance. Et t'es moi, mais carré, mais...
deuxième partie. Retour pour cette deuxième partie entre l'Autopopo et Jacques. L'Autopopo qui mène depuis la première partie sur un score d'un but à zéro, but marqué par Faisal Bachi à la 10e minute. Jules Tavodouno, quelle sera la clé pour que Jacques parvienne au score? Et de l'autre côté, l'Autopopo doit chercher à faire l'addition. On voit déjà une équipe de la Jacques qui est très entreprenante, qui est très bien portée vers l'avant, qui se crée des opportunités, sauf qu'ils ont un peu de difficulté à pouvoir trouver la bonne solution dans la soirée de réparation adverse. Il faudra être beaucoup plus juste quand on est en phase offensive, faire les meilleurs choix pour pouvoir scorer. Ce n'est pas forcément le meilleur scénario qu'on souhaite pour l'Autopopo. Et qu'on espère pouvoir, pourquoi pas, marquer ce deuxième but qu'il faut pour saper un peu le moral à cette équipe de la Jacques qui est sur une belle victoire face au Requin et qui voudra sans doute, pourquoi pas, repartir d'ici avec un bon résultat. Jacques qui est très dangereux à l'instar de ce ballon renvoyé par Olympe Gantin. Les joueurs de Jacques qui pètent cette fois-ci le ballon, récupéré par Patrick Saint-Germain. Attention. Kabirou réussit à prendre ce ballon. Rodrigue Fassinou qui va relancer maintenant. Mbédi Gaston, Zaki Wablay qui donne la passe à Faisal Bachi qui sert le côté. C'est rare de retrouver Faisal Bachi sur le côté qui fait l'effort. N'a-t-il pas été touché Faisal Bachi? J'ai l'impression qu'il y avait un petit quelque chose, mais bon, après il y a les deux arbitres, l'arbitre central et son assistant qui semblent être beaucoup plus proches de l'action, même si j'estime que Faisal aurait pu un peu plus tôt tenter le centre. Il a voulu aller beaucoup plus au bout de son action, aller jusqu'à la phase de réparation. Malheureusement, il y avait cette intervention qui le dépossait du ballon, et derrière ce n'était même pas un corner, c'était plutôt une sortie de but. Il faudra, c'est ce qu'on disait, il faudra beaucoup plus être collectif quand on se retrouve dans les phases offensives, savoir anticiper quand il le faut pour permettre à ses partenaires sur le flanc offensif de pouvoir apporter le danger dans le temps adverse pour pouvoir marquer avec l'option d'Ibaï qu'on puisse en sortir. On a l'impression que les joueurs de Jacques ont plus de pieds sur le ballon en ce début de deuxième partie avec cet engagement de Olympe Ganti qui va prendre le premier carton en jaune de la partie à la 48e minute de jeu. Malheureusement, ceux qui jouent souvent contre ce défenseur central, chaque fois qu'il se retrouve un peu plus haut sur le terrain, il finit par commettre des fautes. Et il faudra être vigilant pour ne pas en commettre beaucoup, même si l'Autopopo a une certaine profondeur de banc. Il faudra, pourquoi pas, limiter les forfaits, les suspensions qui pourraient intervenir au cours de la saison. Attention à Olympe Ganti, ne pas accumuler les cartons jaunes en ce début de championnat. Roland Biakou qui fait l'effort pour sortir ce ballon. Et la touche à venir côté Jacques Jackson, Temitayo. Et la faute. Kader Touré qui va laisser le ballon à son défenseur. Non, c'est plutôt Nourdine Gakou qui viendra jouer ce coup franc. Jouer avec son pied gauche, cherchant la tête de Edema. Le ballon renvoyé de la tête par le numéro 15. La Jacques Emmanuel Adouramigba. Un peu haut maintenant. Ablaï Zakiou, le jeu est renversé, a bien joué par Gaston. Le ballon renversé en second poteau. Ah non, le pied de Kader Touré
qui s'en sort très bien. Exactement, il s'en sort très bien. Sinon, je voyais l'arbitre déjà envoyer la main dans la poche pour sortir le carton puisque le pied était un peu haut. Ça met l'intégrité physique de son adversaire en situation. Heureusement, il s'en sort très bien et qu'il n'a pas eu ce carton jaune. Le ballon touché par Roubedi. Roubedi qui est accroché et la faute sur Roubedi. Il fait la faute ce numéro 15 intelligemment joué Emmanuel Adouramigba. Il sait très bien que l'autre propos se montre souvent dangereux sur les phases offensives. Et quand on se rappelle de cette seule véritable occasion qu'on a eue jusque-là, qu'on a réussi à scorer, il faudrait très vite couper pourquoi pas les phases offensives de cette équipe et les empêcher de se rapprocher de la surface de réparation. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. Heureusement pour eux, malheureusement pour l'Autopopo qui a pu ne pas considérer le ballon, sinon la touche à l'adversaire. Et la faute de la Jacques. Il faut jouer le ballon maintenant. Johnson. La passe. Ah, attention. Ah, il avait eu l'avantage. Avec ce retour défensif hein, de Rodrigue Facilou pour chipper le ballon. Faisal. Qui va faire la passe à Peter Edema. Roland Béacou qui prend le ballon et qui fixe, qui va jouer. Il faut envoyer ce ballon au second poteau, Roland Béacou. Et même tel que c'est joué, je crois que ça ne met pas du tout ses partenaires en situation idéale. Et il faut au pire des cas tenter le centre en retrait ou un centre-tir pour permettre à ses partenaires Faisal Bachir et Peter Edema qui sont bien positionnés à soi de réparation. Malheureusement, il a choisi une option beaucoup plus compliquée. Alors qu'on l'a vu depuis le début de la rencontre, il n'est pas aussi entreprenant, aussi présent dans le match. La faute sur Roland Béacou. Roland Béacou qui avait une autre option, envoyer ce ballon au second poteau parce qu'il y avait quand même du répondant. Il y avait au moins deux joueurs au second poteau. Il y avait Peter Edema, Faisal Bachi au second poteau. Et là, c'est quand même un coup franc bien placé, Jules. Un coup franc bien placé, même si on n'a pas l'habitude de voir Kadet Touré sur les coups de pied arrêtés du genre. Et quand on connaît également mais sa qualité de, il a une très belle qualité de centre également. Il faudra aller chercher le point de pénalty parce qu'on a tous les grands gabarits pratiquement qui sont montés. À part bien sûr Alep Ganti qui est resté derrière. Il fallait envoyer ce ballon au second poteau, ce qui n'a pas su faire. Le ballon revient sur les pieds des joueurs de Jack. Kabirou qui perd au profit de Edema. Edema ceinturé qui va chercher à passer. Il n'y a pas de faute. Et la touche. Dans le même temps. Le tollé. Apparemment, Baligonse qui se retrouve face aux dures réalités de la Super League Pro. Pour le moment, le club de Banikouara est rancé 3-0 par Aïma. C'est ça la Super League. Rodrigue Facinou. Il s'arrache. Le renversement de jeu vers le numéro 4 à l'action de jeu pour laisser le ballon. Kabirou rejoue avec Mouroudine Gakou qui envoie le ballon en touche. Et pendant ce temps, les Dragons qui viennent d'ouvrir le score face à Dynamo. Et devinez qui ? Le vieux, un ancien du championnat, Kabirou Koutier. Kabirou Koutier qui permet aux Dragons de mener 1-0 devant
Dynamo d'Abomey. Kaberou, un ancien joueur. Hein. Il a fait un temps des détours du côté de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. C'est plutôt Christian Kotchoni sur une passe de Afissou Tamou. Voilà. Christian Kotchoni. Exactement. L'ancien des requins. De l'Atlantique. Il s'est retrouvé du côté, cette fois-ci, du grand rival, les Dragons. La faute de Kader Touré. Il faut être vigilant. Il ne faut surtout pas concéder l'égalisation. On n'est souvent pas à l'abri quand c'est 1-0. Exactement. Il doit y avoir des changements dans le camp de l'Automopo. Attention à ce coup franc de CI au Goutaïo. Ah, il y a du monde au second poteau là-bas. Le ballon est parti au second poteau. Il avait eu la chance d'être tout seul et de jouer ce ballon qui s'est envolé complètement sur la cage de Nourdine Gakou qui prendra le temps qu'il faut pour relancer la partie. On parlait en laissant des changements au niveau de l'Autopopo. Moi je ne serais pas surpris, en tout cas je serais, mais ça serait un bon choix de la part de l'entraîneur de l'Autopopo. Pourquoi pas le sortir Roland Béakou. Et Zaki Wablai qui donne ce ballon. Le deuxième but. Et qui passe juste à côté. Il a touché ce ballon quand même. Qui a touché, c'est bien sûr Faisal Bachi qui l'a touché. Et à défaut du ballon, c'est lui même qui s'est retrouvé dans les filets. Le ballon qui est passé juste à côté du montant gauche du gardien de but de l'Ajax, Hakim Otumba. Ah, c'était un caviar. Une fois encore, une très belle offensive de la part de cette équipe de l'Autopopo. Malheureusement, il manquait juste cette petite touche de balle pour envoyer ce ballon en pauvre dans le fond des filets. Il y avait également l'anticipation du gardien de but de l'Ajax qui a empêché Faisal Bachir de pouvoir reprendre le ballon proprement. Nourdine Gakou qui joue un peu dans le registre d'André Onana. Il est souvent très haut. Il joue le rôle du dernier défenseur du libéro. Et en le faisant, il faudra être aussi également vigilant. Il faut être vigilant, heureusement qu'il a cette faute sur Imran Ibrahim. La faute qui a d'ailleurs été sifflée par Modeste comme Akoyi. Roland Béakou, Kader dans son habituel dézonage. Peter Edema, le contrôle était long. Il va jouer avec Faisal. Faisal, la frappe d'Abdoulaye Zaki au contré. Le ballon n'est pas sorti. Il va protéger ce ballon qui va sortir. Non, il le prend. Alors qu'il y a deux changements à venir. C'est sûr, Roland Béakou va sortir. En tout cas, c'est ma lecture. Hein, Roland Béakou, c'est Zakiou qui... Zakiou qui va sortir. Donc d'abord, il y a l'autre changement qu'on n'avait pas vu. Ah oui, Roland Béakou oui, qui sort. Oui, Roland qui sort. Qui s'est à place à Cosmos David. Alors que après, Zakiou sera remplacé par Taïwo Latilou. Deux joueurs également offensifs. Hein. Même si on le sait, Olatilou, il est très polyvalent. Il va prendre la place sur le côté. C'est le genre de profil qui, pour l'instant, en tout cas, manquait sur le terrain, qui a la capacité de porter le ballon vers l'avant. En 1 contre 1, il est terrible, on le sait. C'est un joueur de déséquilibre. Il faudra savoir bien exploiter ses capacités ce soir. Alors maintenant, attention à cette attaque captée
ce problème pour Nourdine Gakou qui relance. Taïo. Ah mais ils ont toujours le pied sur le ballon, ces joueurs de l'Ajax. Ah, il faut faire attention. Heureusement qu'il y a une faute. Et on pourra même l'estimer, on peut prendre même ça comme une simulation. Il s'est laissé tomber tout seul puisqu'il a vu qu'il avait un pied qui était tendu devant lui. Et heureusement que l'arbitre, il était beaucoup plus proche. Il faut que les arbitres soient vigilants. Exactement. Parce qu'on se rappelle que lors de la journée précédente, il y avait eu une simulation. Polémique de cette rencontre entre Lasbo et Coton. Il faut qu'il soit désormais plus proche. Bon, les violets ont toujours le ballon. Ah, ils vont réussir. Ah, ils sont deux contre deux là. Olympe, il faut fisser. Ah, heureusement que la défense de l'Autopopo s'est regroupée. Le bloc s'est regroupé pour repousser l'assaut offensif de cette équipe. Pendant qu'entre temps, Nourdine Gakou qui était un peu avancé a su se repositionner rapidement. Peter Edema, Faisal Bachi pour Peter Edema. La combinaison n'a pas marché. Au pire, il fallait renverser le jeu sur Latilou qui est dans le couloir droit. Parce que Faisal Bachi n'est pas forcément en position pour avoir ce ballon, puisqu'il était quand même entre trois adversaires. Faute de Patrick Seyamé. Faute rapidement jouée. Il faut empêcher le centre. Samson Adebola ira mettre la pression sur Nourdine Gakou et l'obliger à se saisir de ce ballon. Et pendant ce temps, il y a deux changements qui s'annoncent du côté de l'Ajax avec l'entrée prochaine de Anno Conan Kouadio. La passe de Kader Touré. Il ne centrait pas, mais il marquait. Le ballon n'est pas vite redescendu, sinon ça aurait pu mettre en difficulté Hakim Otumba, le gardien de but de l'Ajax. Malheureusement, c'est passé au-dessus des buts. Hein. Nourdine Gakou qui dégage comme il peut. Le ballon renvoie de la tête à la défense. Et puis Saïd Olaïde va le prendre, jouer rapidement avec Olainka. On joue rapidement avec le numéro 28. Rodrigue Fassinou va s'interposer. Il y a également Moussa Gari qui va faire son entrée en jeu. Je pense que entre Patrick Sejamé et bien plutôt, on va préférer la sortie de Faisal Bachi ou de Peter Edema. Mais un joueur à vocation offensive. Et apparemment, on laisse les deux milieux récupérateurs. C'est qui va sortir apparemment. Ah non, c'est d'abord le double changement du côté de l'Ajax avec les entrées de Ridouane Chobier et puis Anno Conan Kouadio. Anno Conan Kouadio. Doit être, ma foi, un Ivoirien. Sans doute.
et qui a aussi un joueur intéressant, surtout quand il se retrouve dans les positions de haut but. Il pèse énormément sur la défense adverse. Il faudra être très vigilant avec ce joueur qui a aussi une très bonne puissance de frappe. Il rentre sur un coup de pied arrêté. Ah oui. Ça pourrait être l'un des temps forts de cette équipe. Il faudra être vigilant de ne pas permettre à l'adversaire de revenir au score alors qu'on l'a déjà franchi l'heure de jeu. Et la frappe qui est passée loin, sans inquiétude. Ah, c'est Faisal qui va sortir. Qui va sortir et c'est de sa place à Sagari. Donc on va évoluer avec l'attaquant de pointe. Ah, on a vu, il est déçu. Il ne voudrait pas sortir. On a vu tout de suite son geste. Et oui, ça, il y a de quoi parce qu'on l'a vu. Parmi les attaquants, c'est celui qui arrive rapidement. Mais il a quand même marqué. Il a marqué, déjà scoré. Il en voulait plus. Il en voulait plus visiblement. Parce qu'on a vu, il est réellement dans son match. C'est lui qui apporte pratiquement tous les dangers dans le camp adverse. Malheureusement pour lui, il va devoir céder sa place. On a besoin de lui. Le championnat, il est long. Non, Cosmos. Cosmos devait patienter avec ce ballon. Et pendant qu'on y est, la réalisation qui va nous permettre... Non, c'était pas l'action. Non, c'est pas l'action. Donc là, on va voir, pourquoi pas, le but de Faisal Bachir, unique de cette partie, avec ce joli contrôle de la tête et la frappe enchaînée qui n'a laissé aucune chance à garder le but. Ridouane avec sa queue de cheval. Ah oui. Ça vous rappelle quel joueur dans sa jeunesse? Ça rappelle un joueur brésilien quand même. Alors? Ça rappelle un joueur brésilien. Quand on se rappelle qu'il était. C'est avec cette coiffure qu'on avait découvert avant qu'il ne débatte au FC Barcelone, Neymar Junior. Et puis il se retrouve du côté du Paris Saint-Germain avec une nouvelle coupe de cheveux. Il avait marqué un but exceptionnel avec Sao Paulo et Santos plutôt, ce qui lui avait permis de remporter le prix Puskás. Exactement. Il avait fait aussi forte sensation à la Coupe du monde des clubs. Ah oui. Et encore une fois, un coup de pied arrêté intéressant pour l'Ajax. En tout cas, il se crée des opportunités à la défense de l'Autopopo de les empêcher de les concrétiser. Ah, ils ont les coups francs les plus dangereux dans cette partie, mais il manque chaque fois d'application. Mais vous avez évoqué un joueur qui est rentré à Nokonan, Kouadio. On le voit. Qui est au second poteau avec sa tête rasée. De tout matage, hein, même s'il a. Et Ridouane aussi, le capitaine Saïd, ils sont nombreux là, dans le paquet. Il y a Kabir Oussaka qui est aussi libre. Ah, il faut faire attention sur ce ballon dévié. Ah, ça donne pour un corner, non? Changement pour l'Ajax, la sortie de numéro 10, Daniel Semako contre Enes Singo. Alors, on a l'impression que ce sont les Béninois qui se remplacent entre eux. Les patronymes béninois, je veux dire. C'est les autres patronymes frisent un peu à Peter Lema. Gary Moussa. Et le but. Le petit ballon piqué.
Le petit ballon piqué de Moussa Gari qui va célébrer. Regardez la célébration. Est-ce que la réalisation va nous permettre de voir la célébration? Le petit ballon piqué. Et quel coaching gagnant. À la 67e minute de jeu. Non, la 70e minute. Pour être plus complet, c'est à la 70e minute de jeu. Et quel bijou de la part de Moussa Gari qui nous a déjà habitué à 16 ans de but. Il prend la profondeur. Regardez, il n'avait plus la possibilité de donner la passe, mais exactement. C'est le geste idéal qu'il a réalisé. Il fallait perdre sa chance, il a su le faire avec ce petit ballon piqué. Ah, il vient de libérer complètement le Topopo. La victoire est presque assurée. À 20 minutes de la fin de ce match. Le deuxième but qui vient au bon moment, puisqu'on aborde les 21 minutes, comme l'avait dit. Et Moussa Gari qui vient de faire son entrée en jeu et qui se met beaucoup plus en confiance avec ce but du 2-0. Et quelle manière de marquer ce but. Un joli bijou, un petit ballon piqué. Est-ce qu'on pourra dire que le tarif à l'autopropos, c'est deux buts? Ah oui. C'est vrai qu'on a été habitué à des victoires étriquées d'un but à zéro. On pourrait aussi avoir d'autres buts. Hein, parce ah oui, puisqu'il a on a plus de 19 minutes à jouer dans cette partie. Et quand vous avez du temps, ils se sont créés quand même assez d'occasions. Peut-être qu'on aura encore des buts. Pourquoi pas, ça comptera au dernier décompte parce que tout ça aussi, ça fait partie du football. Le goal à Vera, il faut savoir aussi les soigner quand il le faut. Et dans ce match, dans des matchs du genre, vous jouez aussi... un peu libéré. Et regardez Conan qui a été touché. Mais il va faire le fort. Edema, plutôt Edema. Cosmos qui fait l'effort. Cosmos qui ne prend pas le ballon. Moussa Gari qui va le récupérer. Et jouer avec Olatilou. Ah, Moussa est en feu. Moussa Gari, putain, frappé, malheureusement. Alors que Cosmos était tout seul. Il fallait jouer avec Cosmos, cette action. Même l'option individuelle, il avait la possibilité de faire mieux. Mais il y a Cosmos au second poteau. Il était tout seul au second poteau. Malheureusement, apparemment, il n'a pas soulevé la tête pour se rendre compte que son partenaire était bien libre et détaché de tout bagage. Et apparemment, Ernest Singbo qui vient de faire son entrée en jeu, il n'aura pas touché beaucoup de ballons que parce déjà. Que là, il touche. Il a été touché. Il touche sa cuisse. Exactement. Quand les joueurs touchent souvent. Et apparemment, la cuisse, on dirait qu'il a été touché lors du duel avec Cosmos David, puisqu'ils étaient plusieurs au marquage sur Cosmos. Oui. Mais il va se relever. Le championnat est simple. Vous jouez 12 matchs à domicile, 12 à l'extérieur. Ça paraît simple, mais pas aussi simple. Parce qu'on le sait, vous avez de longs voyages à faire. Les organismes qui seront très sollicités. Et vous aurez des adversaires coriaces à affronter. Et surtout, des surprises face auxquelles il faudra sans doute aller chercher les meilleurs résultats possibles. Et quand on sait que vous avez des adversaires qui sont en difficulté, ils voudront chaque fois... le match de leur vie face à vous. Donc il faut mettre tout l'engagement nécessaire pour gagner chaque match et les considérer comme une finale. Et la faute de Olatilou. La victoire semble être assurée avec ces deux buts d'écart dans ce match. Moussa Gari qui récupère encore ce ballon, qui a la possibilité de jouer avec Peter Edema. Peter Edema qui va jouer
va servir du moins Olatilou pour Pito Elema. Le ballon reste toujours dans les pieds des Verts. Le petit ballon piqué, le centre vers son capitaine. Belle lecture. On a de vu ce joueur, Ernest Singo. C'était très bien. Il a vraiment lu la trajectoire de ce joli petit ballon piqué de Olatilou qui allait tout droit vers Patrick Sejamet qui avait déjà pris l'élan pour pourquoi pas une reprise de volée. Malheureusement, le ballon lui a été enlevé de justesse. À l'entrée Tony Truante de Moussa Ngari. C'est un très bon coaching. Kader Touré, Kassou Zavi. Le jeu qui a changé carrément de physionomie parce qu'il y a plus de joueurs techniques sur le terrain. Des joueurs beaucoup plus mobiles qui sont beaucoup plus en mouvement. Ah lui, il fait de la misère sur son côté. Olatilou, Olatilou Kayo. Il a marqué un beau but. La journée précédente. Parfois, on arrive à se demander comment se fait qu'il se retrouve à ne pas être titulaire indiscutable. Ça montre à quel point il y a réellement de la concurrence. Peut-être il y a de la concurrence et aussi la résistance. Est-ce qu'il est résistant? Au bout de 90 minutes, il faut se poser beaucoup de questions. Et on n'est souvent pas dans le secret des techniciens. Ah oui. C'est vrai, nous, on est en position de commentateur. On pourrait beaucoup parler, beaucoup dire. Mais après, il y a ceux qui vivent les réalités de l'équipe. Il y a les coachs. Et les coachs qui savent faire les choix en fonction des exigences, des résultats qu'ils attendent. Et ce qui est sûr, chaque fois que Olatilou se retrouve lancé sur le terrain, il arrive toujours à apporter un plus. Peut-être qu'on profite. Attention. Et la faute. La faute sur Olympe Ganti. Très bien arbitré. Très bien arbitré. Parce qu'il y avait l'attaquant de l'Ajax qui avait le pied. Et j'ai même peur. J'ai peur pour Olympe. Une blessure. Parce qu'il y avait l'attaquant qui a mis le pied en opposition. Il a tapé le pied de son vis-à-vis. Et pendant qu'on y est, les internautes qui sont toujours à fond derrière les Lotto Boys avec Constantino Wilson qui estime qu'on n'a pas peur de légalisation. Lotto Popo qu'il considère comme le Real Madrid du Bénin qui joue à fond pour le coup et qui nous suit depuis 50 G. Il y a également Fawaz Adibade qui nous suit de très près. Il y a Jean Taoudé qui a tenu à remercier toute l'équipe de la technique aux commentateurs. Cette équipe qui permet à tous de pouvoir suivre les matchs de Lotto Popo depuis la position, que ce soit sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube du club. Là, on voit l'action. Oui. On a Olympe qui était le premier à toucher ce ballon. Il a le pied de l'adversaire en opposition qui était avancé. L'arbitre qui a fait une très belle lecture, même si c'est à la grosse déception des joueurs de l'Ajax qui estimaient qu'il avait pénalty. Mais monsieur, il n'y a absolument rien. La jeunesse athlétique de Kétou qui est menée 2 buts à 0 ici à Grand Popo. Grand Popo, c'est la reine de l'enfer. Olympe Ganti a été touché sur cette action. On le voit. Il trottine. Ça montre à quel point c'est pas bon signe. Il risque de sortir. On va devoir sans doute procéder à un changement. Pascal le voit. Je pense qu'il va faire son entrée. Il va rentrer. Et il va retrouver. Puisque semble être beaucoup plus dans les jambes. Hein, parce qu'on le voit solide, géant. Et qui demande à refaire son entrée en jeu. Ah, il va reprendre sa place.
encore 10 minutes à disputer dans cette partie avec ce ballon qui va retrouver Capirou qui est en face de lui, Rodrigue Facinou. Et le long-centre dégagé de la tête par Kadet Touré. CI. On revient sur le coup franc. Il y avait une faute. Ah, il y avait une faute. De la surface de réparation des Lotto Boys. La faute sur le numéro 18, Capirou Saka. Ah, ça donne des coups francs dangereux à cette formation. Ah, il va falloir être très vigilant sur ce coup franc qui se trouve à la lisière de la surface de vérité de Nourouddine Gakou. Allez, il faut surtout pas. C'est vrai qu'on a 2 buts d'avance, mais la réduction du score pourrait donner lieu à une autre rencontre, une fin de rencontre folle. Donc il faut surtout pas concéder la réduction du score. C'est un coup franc très bien positionné, et très dangereux pour un bon tireur. Je crois que ça devrait finir sa course au fond. Capté en deux temps. Exactement. Heureusement, il était Gakou. Bien positionné. Le ballon était directement sur Nourouddine Gakou qui a su s'emparer du ballon. Ça, c'est pas loin d'être un cadeau. Et Nourouddine Gakou va pouvoir lancer Ridouane. Ah, il est parti, il n'est pas en position illicite. Rodrigue Facinou pour le retour. Il laisse le ballon, il s'écroule. Cosmos David qui perd le ballon. Et la faute sur C'est vrai que le joueur de la Jacques, il réclame des pénalties. Ben, quand on voit l'action, c'est vrai qu'il y a le retour de Rodrigue Facinou, mais l'attaquant s'est jeté tout seul de la surface. Alors qu'il y avait un Modeste qui est en train de faire un très bon match juste là. Parce qu'on a le retour sur l'image. Et le capitaine Saïd Olaïde qui écope de carton jaune pour réclamation pour des propos déplacés vers l'arbitre. On va revoir l'action. On va tous se rendre compte qu'il n'y a pratiquement rien. Regardez. Il n'a pas été du touché. Regardez. C'est trop facile. Il s'est jeté, il s'est carrément jeté. Parce qu'il s'est senti à un moment donné qu'il n'était plus en équilibre. Et on voit le capitaine de la Jacques qui demandait à l'arbitre s'il avait de la VAR, qu'il allait se rendre compte qu'il y avait faute. Et pourtant, il n'y avait vraiment pas contact. Ah, il n'a pas le droit d'en faire aussi autant. Ah, ça fait le rouge, je crois, parce qu'il avait déjà eu un carton jaune. Ou bien c'était pas lui qui avait reçu ce carton. On les voit tous emportés contre l'arbitre. Il ne faut pas tomber dans le piège, Cosmo David, il ne faut pas se laisser tomber. Non, je crois que c'est maintenant qu'il a eu le carton jaune. Exactement. Il n'avait pas encore eu le carton jaune, c'est maintenant qu'il a écopé. On sait qu'on aura une fin de rencontre assez mouvementée avec les nerfs qui seront très sollicités. Mais il ne faut pas tomber dans le piège, il ne faut pas tomber dans des erreurs. Ballon au second poteau et la faute sur Nourouddine Gakou, très bien sifflé encore une fois. On aura beau dire, on aura passé pas mal de temps à décrire les habits et quand ils le font aussi bien, il faut le dire. Et sur ce coup, je crois que l'arbitre Modeste Komakoin réalise jusque-là un match parfait. Un match parfait. Il est très bien positionné, très bien proche des actions.
Voilà le but de Moussa Gari. De Moussa Gari. Et vous avec commentez justement. Ballon piqué juste au-dessus du gardien de but qui était déjà au sol. Il en a profité et très intelligemment, il envoie ce petit bijou pour porter le score à 2-0. Après, bien sûr, la belle frappe de Faisal Bachir en premier temps pour l'ouverture du score. Et là, en tout cas, pour le moment, on a droit à deux beaux buts dans cette confrontation entre la JAC et l'Autopopo, qui pour l'instant, en tout cas, en ce début de la Super League Pro, semble avoir adopté son tarif minimum à l'adversaire, au moins deux buts. On les avait vu déjà mettre deux buts à Tamisa lors de la première journée. Et ils viennent d'en remettre. Alors que Buffle et Aspac font un but partout. L'Aspac qui était mené et qui a fini notamment en revenir au score. Revenir au score. Coton reste toujours à zéro but partout contre Takounet. Ça semble. Ça montre à quel point cette Super League Pro va être très relevée et sera très compliquée. Le champion en titre qui a été battu lors de la première journée et qui là, face à l'Est Takounet, est pour le moment tenu en échec. Le match n'est pas terminé. Takounet, c'est une équipe très jouable. Exactement. Et qui est une équipe très joueuse. Hein. Très joueuse. Qui a fait une très bonne phase de Ligue Pro. Et on en profite pour faire un coucou à Firmin Kasaga qui est également un vrai supporter des Lotto Boys. Qui ne manque jamais de suivre chaque direct. Firmin, il doit être aussi un reporter sportif. Exactement, c'est un confrère de la presse sportive béninoise. Bien joué. Quelle sortie de balle de Olatilou. Et la faute sur Olatilou. Taïo. Taïo Olatilou qui, une fois il est lancé, il sait ce qu'il veut faire avec le ballon. C'est ça qui est intéressant. Et on en profite également pour saluer tous ceux-là qui nous suivent, même hors du Bénin. Il y en a qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire. Avec Ivo Maj Akobide qui nous suit depuis Abidjan, qui salue également la qualité de l'image du direct. Comme quoi, suivre, supporter le Topopo, ce n'est pas qu'au Bénin, mais supporter il y a également. Ah, quand c'est bon, les supporters viennent d'eux-mêmes. Il y a même Fano également qui salue la qualité des images. En tout cas, on fait le maximum pour. Pour vous rendre la meilleure qualité d'image qu'on peut. Et pour le bonheur de tout le public, de tous les supporters, l'Autopopo et toute son équipe technique, coiffée par Global Sport Management, feront le nécessaire pour vous offrir le meilleur des matchs de ce club de Grand Popo. Ah, quel ballon! Rodrigue Fassinou! Va-t-il aller de son but? Il fait la passe à Peter Edema pour le troisième but. Chaque match, un but Peter Edema. Et regardez comment il va célébrer. Il va le célébrer comme Allende, le Norvégien. Mais quel but! Et vous applaudissez. Exactement. J'ai applaudi pratiquement tous les buts de Popo. Et cette fois-ci, la conclusion parfaite de Peter Edema qui marque son deuxième but en deux matchs. Cet attaquant qui a fait son adaptation comme cela se doit à l'Autopopo et qui réussit un très bon début de saison en Super League Pro. Peter Edema, deux buts en deux matchs. Il a marqué le samedi dernier à Parakou. Il vient de marquer une fois encore et il est déjà adopté ici.
Il y a toujours un but dans les derniers instants quand le Toropo joue. On l'avait dit, c'est soit 2 ou 3 à domicile. Il vient de porter le score à 3. C'est bon pour le moral. C'est bon pour la suite de la saison. Allez, attention à l'euphorie. Alors que Cavalier est en train de faire de la misère à AS Cotonou. 3 buts à 0 désormais. Ça va très vite. Ça va très très vite dans cette Super League Pro. Et j'ai l'impression, comme je l'ai dit depuis la fin de la Ligue Pro, je me disais toujours que cette Super League Pro risque d'être la plus relevée qu'on a eue depuis le début de ce nouveau format du championnat béninois. En tout cas pour ce moment, en tout cas pour l'instant, pour ces débuts de saison, on semble être bien servi. Et c'est bon pour le spectacle. 3 buts déjà marqués dans cette partie. Ils ont eu les coups francs les plus dangereux dans cette partie, les joueurs de l'Ajax. Mais ils n'ont pas été si dangereux sur les coups francs. Beaucoup de coups francs à la lisière, mais ils n'ont jamais été si dangereux. Ils se sont montrés beaucoup plus trop imprécis sur les coups de pied arrêtés. Et de loin, on salue également le but de Peter Idema avec Christian Trésor de Dieu qui dit qu'il s'approprie bien l'environnement de l'Autocopo. Qui salue ce but de Peter Idema et qui dit chapeau à lui. Il faut que le capitaine, le cap soit maintenu. Et c'est l'essentiel, hein, tout ce qu'on demande. On mène, en tout cas, ça fait la deuxième victoire de suite. Il faut maintenir le cap pour enchaîner, pourquoi pas, d'autres victoires. Parce qu'on le sait, l'objectif, c'est le titre. Et il faut aller le chercher. La prochaine journée, l'Autobopo va recevoir ici. Regardez Rodrigue Fassinou qui donne cette passe décisive. Il était très bien lancé en profondeur. Et quand on sait que ce joueur, une fois lancé, il fait toujours l'essentiel pour aller conclure cette action. Et cette belle passe et la conclusion. Peter Demar qui a mis juste son pied en opposition pour envoyer ce ballon dans le fond de filet. Peter Demar qui, lors de la saison précédente, a marqué 14 buts pour 2 passes décisives. Il y a également un trésor de Dieu dont on lui parlait tout à l'heure qui nous suit depuis Dakar. Alors qu'il y a Ricardo Amorigio qui nous suit depuis les USA. Dakar, une ville que je connais très bien. L'une des villes les plus chères d'Afrique, hein, il faut le reconnaître. J'avais pris part Dakar, j'avais pris part l'aéroport Blaise Ndiaye. On est heureux de savoir que la renommée de l'Autocopo dépasse des frontières. Et c'est aussi ça qui fait la grandeur des clubs. Ce club avec un dirigeant partout. On y met les moyens pour en faire l'un des plus grands. Les deux derniers changements de l'Autocopo, c'est le capitaine qui va sortir. Nourdine Gakou. Non, pas Nourdine Gakou, Patrice Djamé, remplacé par un défenseur. Et l'entrée de Faiz Oupara. Et Peter Idema aussi qui cède sa place. La rencontre qui va bientôt s'achever, la victoire qui ne va pas, en tout cas, prendre en tout cas, un peu de temps, il devrait déjà situer la fin de cette rencontre. On a dépassé les 3 minutes du temps additionnel. Il y avait eu quelques changements.
l'Ajax qui jette leur dernière force dans la bataille, pourquoi pas pour essayer d'aller chercher au moins la réduction, le but de l'honneur. Et encore une fois, l'un de ces coups francs les plus dangereux qu'ils ont eu depuis le début de la rencontre. Malheureusement, le taux n'a pas eu autant. Mais ils n'en ont pas eu vraiment besoin pour mettre les trois buts qui sont intervenus sur des phases de jeu bien construites. Et on rappelle dans l'ordre les buteurs, Faisal Bachir, Moussa Gari et les coups francs. On en parlait, mais voilà encore un coup franc. Ils en ont eu assez. Mais aucun n'est cadré. Aucun est cadré, sinon on les envoie directement dans les gants de Norodingaku. Cette fois-ci, pourquoi pas un rocher. Concret de la tête. Mur. Et c'est la fin de cette partie. Victoire donc de l'Autopopo après sa deuxième sortie. La première à domicile, l'Autopopo totalise désormais 6 points plus 5 au goal différentiel. On retient la belle victoire de l'Autopopo. On dira merci à tous nos internautes qui sont restés sur la page Facebook, tous ceux qui sont restés sur le compte ou la chaîne YouTube de l'Autopopo. On dit merci avec des buts de Bachir Faisal, Moussa Gari, Peter Elema pour clôturer. Jules, merci. Merci à vous, Maurice. Merci à toute l'équipe de la réalisation également. Et merci à ce club qui nous fait vivre de bonheur, qui nous fait vivre le meilleur du football à chaque journée du football du championnat béninois. Et vivement qu'à la prochaine journée qu'on enchaîne encore avec une nouvelle victoire. Et ça fera du bien, comme vous l'avez rappelé, à tous ceux-là qui nous suivent et qui aiment le Autopopo. Merci aussi à Modéran et à la prochaine. Etemwe mi kagre minawa, koro kwenye gambino koko. Mina tu zane di. Des gagnants, nous en faisons tous les jours, à chaque instant. Notre jeu LNB Chance, le nouveau chouchou des parieurs, fait des heureux 200 000 francs à gagner.